Salut à toutes et à tous, c'est Rochier. Aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo annonce qui concerne les lives. Et oui, parce que comme je l'avais annoncé lors de ma vidéo retour, les lives vont reprendre pour cette fin du mois d'août. Et bien sûr toute le reste de l'année scolaire et tout le bordel et tout le bordel. Bref, c'est sûr que pendant les vacances il y aura plus de lives que lorsqu'il y aura les cours. Parce que même moi je dois commencer à bosser, puisque la première, voilà, il y a le bac à la fin de l'année. Aujourd'hui je vais aborder plusieurs sujets. Et comme d'habitude je suis en post-commentary, c'est-à-dire que je suis pas en live avec l'image. Je reprécise une petite fois. Je sais même pas qu'est-ce que je vais vous mettre à l'image. Hein. Peut-être encore du Quake, non ça m'étonnerait peut-être pas. Peut-être une image fixe. En tout cas, aujourd'hui nous allons parler des sujets qui vont se passer dans les lives, puisque les lives vont bien changer par rapport à ce qu'il y avait avant. Faut savoir que ma connexion n'a pas du tout augmenté ou pas du tout baissé, mais faut savoir que début 2015, c'est-à-dire janvier, février ou mars, je sais pas, la fibre va arriver chez moi, parce que vive Chartres, voilà. Voilà, j'ai dit que j'habitais, yolo. Donc ça va me permettre d'avoir une connexion ultra nécessaire pour faire vos des lives en 720p ou même 1080p si j'ai la possibilité, même si je pense que je l'ai. En tout cas vous aurez, c'est pareil, bon bref ça ce sera annoncé plus tard, bref il y a le temps. En tout cas ce que je voulais annoncer c'est qu'il va y avoir on va dire des petits lives et des gros lives. Ça veut dire que certains lives, tous les petits lives vont être annoncés uniquement par le mail que vous allez recevoir si vous êtes abonné à ma chaîne Twitch et par Twitter. Faut savoir que c'est que ces deux seuls moyens qui seront accessibles pour que vous sachiez quand est-ce qu'il y a des petits lives. Je ne ferai pas d'annonce YouTube pour les petits lives et je vais vous expliquer à quoi, qu'est-ce que ce seront les petits lives un petit peu après. De toute façon, vous aurez un petit tableau à mon avis à l'écran. Vous aurez aussi les gros lives qui eux seront annoncés par YouTube et je pense essayer d'en faire un par semaine et en semaine de cours un toutes les deux semaines, enfin bon quand j'ai le temps. Ça va vraiment être des gros lives, ça veut dire que ça va être sûrement sur Minecraft, puisque c'est la plupart de vous vous aimez uniquement que Minecraft sur ma chaîne, et ce qui est tout à fait normal parce que je vous ai toujours proposé que du Minecraft. Mais les petits lives vont être plus sur ceux qui aiment découvrir d'autres jeux que Minecraft. Faut savoir que moi je ne joue pas qu'à Minecraft, même si je joue énormément à Minecraft. Je joue j'ai quelques jeux qui sont prévus à être faits en live, donc ils vont être affichés à votre écran. Nous allons aborder en live, c'est-à-dire dans les petits lives, hein, ceux qui vont être annoncés uniquement sur Twitter. Comme d'habitude, le lien est dans la description pour suivre. Là je vous mettrai peut-être plus en valeur. Vous allez pouvoir suivre avec moi les aventures, parce qu'il faut que je finisse Watch Dogs déjà. Donc je vais finir avec vous en live. Vous allez aussi pouvoir suivre que je finisse Assassin's Creed 3, puisque j'ai 6% du jeu et j'arrive jamais à le finir. Là ça va me donner envie de le finir. Je vais aussi aborder avec vous peut-être finir d'autres jeux comme par exemple Tropico 4 que j'ai pu acheter la dernière fois. On a Tomb Raider, il y a Saints Row 4 et le 3 et le 2 aussi, mais bon ça va peut-être un peu moins le 2. Skyrim qu'on pourrait faire en live, ça c'est vraiment Bioshock 1, 2 et Infinite. Bref, ça c'est quelques exemples de jeux que nous pourrions faire en live. En gros, ce qui va nous permettre de nous amuser ensemble et peut-être vous de découvrir de nouveaux jeux. Même si à mon avis, tous ceux que je vais faire, ils sont déjà assez connus. Et aussi The Witcher 2, très important, que je vais faire d'ici peu. Et dans les gros lives, nous allons plutôt nous intéresser à des, par exemple, les gros lives. Ça veut dire les préparations pour Hero Mode qui va arriver fin d'ici une à deux semaines. Parce qu'il faut tout qu'on prépare avec Smooshie. Parce que bon, même si je suis tout seul, hein, Smooshie m'aide énormément pour tout ce qui est Feed the Beast. Parce qu'on sait jamais, vaut mieux être totalement prêt. Et ça vaut aussi sur des lives mini-jeux ou map aventure avec des invités. Faut savoir que bah, il risque d'y avoir beaucoup d'invités. Peut-être pas ceux que vous voyez d'habitude, puisque j'ai eu quelques problèmes avec. Mais bon, voilà un petit peu bah, pour les annonces de live. De toute façon, vous avez eu les quelques idées. Faut savoir que j'essaierai de changer un petit peu plus mes habitudes de serveur. Ça veut dire peut-être un peu plus quitter Hypixel, quitter... Ce genre de serveur là, enfin bon, peut-être pas les quitter non plus, hein. Je suis pas fou, mais j'aurais essayé de varier les serveurs pour que vous puissiez jouer aussi. De toute façon, je suis toujours en partenariat avec Ascensia, donc on n'aura pas de problème. Donc voilà, c'était pour cette petite vidéo annonce pour tout ce qui est live. C'est très important pour ceux qui veulent les regarder et ceux qui ont la connexion. Comme d'habitude, ça se passe sur ma chaîne Twitch. Vous avez juste à cliquer dans la description, les deux liens seront marqués en haut de la des commentaires, dans la description, pour que vous puissiez vous abonner sur la chaîne Twitch et sur la page Twitter pour être averti de tout et rien, puisque Twitter, je suis très très présent.
Donc voilà, si ça peut vous aider. Et je remercie aussi tous ceux qui me suivent sur Twitter, parce qu'on est bien de 500, on est 491-12, et ça fait vraiment plaisir. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se dit à plus, et ciao pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous.